Défense Mobilité. Vos compétences sont de l'avenir. Je suis rentrée dans l'armée de l'air à 20 ans, donc à l'école de l'air à Aix-en-Provence. C'était en 97. J'ai été brevetée pilote de chasse en 2001. Et puis ensuite, j'ai acquis toutes mes qualifications sur Mirage F1CR et j'ai eu l'occasion de participer à des opérations extérieures. J'ai eu le bonheur en 2008 d'être sélectionnée pour faire partie de la patrouille de France. Et donc, j'ai été équipier en 2009 et puis leader en 2010. L'armée de l'air ne forme que des leaders. Donc en fait, on ne fait pas ce métier pour être équipier. Dans tous les cas, on sera chef de patrouille. Pour partir de l'armée, je pense que comme toute reconversion, ça se prépare. Et que moi, c'est vrai que ça a été le fruit de beaucoup de réflexions. Parce que en fait, au départ, j'imaginais faire toute ma carrière dans l'armée de l'air. Et puis je me suis rendu compte un jour que j'avais évolué, j'étais un peu différente et j'avais d'autres aspirations. Et je pense que dans la démarche de reconversion, ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Et on a la chance d'avoir dans les armées justement Défense Mobilité qui est là pour nous accompagner. Ces rendez-vous étaient très enrichissants parce qu'en plus, j'ai eu affaire à quelqu'un qui était très motivé, qui même était force de proposition. Et puis c'est l'opportunité à chaque fois qu'on va chez Défense Mobilité de rencontrer d'autres personnes qui sont dans le même cas que nous. Aujourd'hui, c'est très important d'avoir un réseau, voilà, tout simplement parce que s'ouvrir aux autres, c'est ce qui permet finalement d'évoluer et de créer l'opportunité. Défense Mobilité. Vos compétences sont de l'avenir.